C'est quoi que t'as pris? Bon appétit. Merci. Non, ça c'est les nuggets, je crois. Ah d'accord, ok. Frère! Salut la famille, aujourd'hui on se retrouve avec Too Much Walid. Too Much Walid qui est une star internationale au Blanc-Ménil. On est où? On est au Blanc-Ménil? Ouais. Voilà, on est au Blanc-Ménil, on va manger au Clam. Le Clam, c'est un endroit où, à ce qui paraît, ils font le meilleur chicken burger de Paris. D'après lui, hein, mais maintenant ça va être d'après moi. Donc on va aller au Clam, d'accord? Acclamé par tous, des burgers de tous les goûts. La blague! Là, il y a du steakhouse, mais nous on va prendre du chicken house, c'est ça? Ça. Le chicken house, donc on va rentrer à l'intérieur. Chicken house. Donc on va rentrer à l'intérieur, la famille. On va prendre le menu burger et puis on va déguster ça. Puis on va vous dire ce qu'on en a pensé. Appuyez pour ouvrir. On dirait qu'on rentre dans un guichet automatique pour retirer de l'argent. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, blablabla, vous connaissez la suite, non je rigole, j'espère la famille, vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de dégustation, on est au Blanc-Ménil, on est au Blanc-Ménil, au Clam, ça s'appelle le Clam, donc c'est un snack qui fait des burgers, d'accord, il fait des burgers et c'est halal déjà, hein, d'accord, c'est-à-dire qu'entre musulmans on peut y aller, c'est des harkis, et genre c'est grillé à la flamme, donc je vais ouvrir la petite prospectus et je vais vous montrer ce qu'on a pris, vous avez les menus stars, si tout veux, ça, je mets ça ici comme ça, le placement de produits incroyable. Donc les menus stars, il y a le steakhouse, le beef, le wrap, il y a du royal, du mushroom c'est truc aux champignons ça, chicken house, et nous on a pris chicken house, pourquoi pas, parce qu'on aime bien ça, et les croustilles, alors on a vu une box de nuggets, on s'est dit, nuggets, on prend direct, voilà, et puis voilà, il y a des menus enfants pour ceux qui veulent venir en famille, je vais vous montrer vite faire quoi, l'entrée elle est juste là-bas, d'accord, ici c'est assez grand, il y a de la place, hein, c'est en long et ça sent super bon, en plus vous pouvez venir avec votre téléphone, mettre votre prise USB ou votre chargeur pour pouvoir snapper ce que vous mangez sans problème, je vous montre ce qu'on a pris, c'est dommage que j'ai pas avec moi la poucave, j'aurais bien voulu vous montrer tout ça, et regardez les frites, ça va, elles sont bien, elles sont dorées, hein. Elles sont mignonnes, hein, les frites, hein. Allez, moi j'ai 165 grammes. Combien? 165 grammes. Moi je dis entre 100 et 300. Non mais c'est trop, elle est trop grande ta fourchette là. C'est comme si je te disais tu pèses combien? Tu me dis ouais moi je fais entre 30 et 150 kilos. C'est vrai. Arrête. 140. Tu vois, c'est comme si je disais la bouteille là elle fait entre 30 centilitres et 1 litre. Bah oui. Bah, t'as raison. Donc, 148. Ouais mais j'ai pas la balance avec moi donc je peux pas mesurer la masse. Moi je suis une balance. Moi j'ai un bon 125. Verse voir tes frites pour voir. Non 125 non. 125 c'est les doses du McDo. Je pense. Toi, j'ai l'impression que j'en ai plus que toi, hein. Regarde. Ouais, je crois. Est-ce qu'on les compte? Comme tu veux. On les compte, la vidéo elle va durer 20 minutes, c'est pas le but. C'est vrai, c'est vrai. Alors ici, on a aussi les nuggets. Alors toi, t'as pris quoi? Chicken house. Suivi direct. Donc, je suis accompagné de Shakir 187, c'est un beatmaker. Tu nous rappelles, t'as fait des instrus pour qui? J'ai bossé avec Damso, là il y a des sons qui m'ont arrivé avec Rimka, j'ai bossé avec Kobalade, Leto, XV Barbar, 13 blocs et il y a deux artistes qui m'ont arrivé. En parlant de Kobalade, dans son nouvel album, t'as fait un son? Ouais, c'est lequel? C'est l'intro à Koba du 7. Koba du 7, c'est toi qui as fait Koba du 7. Ouais. Donc la famille, je suis avec lui, je ferai un interview avec lui, une vidéo spéciale, je le présenterai. Il faut que ce beatmaker soit connu et reconnu parce qu'il a vraiment du talent. De l'autre côté, ben écoutez, moi je vais ouvrir mon burger et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà. Ah, j'ai fait tomber une frite. Ah, ça va pas. C'est quoi, je la ramasse, hein? Ouais. Comment ça, je la mets là? T'es fou, toi, je la mange, frère. Là. Pas de gaspillage chez nous. Les enfants qui crèvent de faim dans le monde, on mange à leur santé. Il est gros, hein? Franchement, ouais, il est gros. Hein. Il est grave, il est pas mal. Il est pas mal. Moi, j'aime bien. Regardez, je vais le prendre dans ma main. Il a l'air pas mal. Donc, attends, je vais le reposer, j'ai peur de le déchirer. Dommage, j'ai pas mes gants. Voilà. C'est dommage. C'est dommage, tout le monde est dégoûté là, dans la salle là, c'est l'hécatombe. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ah, ils ont mis c'est du bacon de quoi? De bœuf? Ouais, je crois que c'est de bœuf. Ouais. C'est pas du porc. Non mais. Ça va. Ah oui, quand même. C'est du sanglier. C'est du sanglier. Non, voilà, ça, c'est du bœuf. Du bœuf, du bacon de bœuf. Ah, ça se reconnaît à la couleur. Ah, ouais, direct, tu vois. Bacon de bœuf à l'américaine. C'est fumé. Ça s'appelle Chahaba. Ah. Tout comme les safran, du décor. Ouais. Mais c'est bien. De toute façon,
Du bœuf fumé, ça existe aussi en parallèle, tu vois. C'est comme, je sais pas moi, je sais pas. Donc voilà, vous voyez la sauce, vous voyez la salade, et vous voyez ici le bœuf fumé. Et en bas, on a l'espèce de croustille poulet. Ils ont mis quoi en dessous? Ils ont bien toasté le pain. Et regardez, ils ont mis du fromage. Du fromage en dessous. Et... c'est magnifique, moi j'aime bien. T'as pris quoi toi? Ouais, j'ai pris la même chose. Ah bah, ouvre-le pour voir si c'est vraiment la même chose. Un chicken noodle. J'ai mal au chicken noodle. Chicken noodle. Elle met, elle a l'air plus balèze. Fais voir. Comment ça se fait? Donc ça, c'est le sien, celui-là de Shakir. Je tourne voir un peu là. Les gens, ils veulent voir. Ouais, franchement, ils sont bons. Hein. Et il coûte combien ce menu-là? On va regarder le prix. Le prix, c'est important. 7,95€ frites, boissons compris. Franchement, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais, j'ai cru que tu montais. Après, bon, les sauces, ils nous ont mis des sauces en sachet pour les frites. Vous savez que je suis pas très fan de ça. Mais bon, c'est de la marque, c'est du Heinz. Hein. Ça, faut. C'est pas du tomato simple comme McDo ou autre chose. Et on va en venir pour le barbecue. On va en venir. Notre collègue en face, je peux filmer ta tête ou pas? Les gens, ils veulent voir ta tête. Donc voilà, lui, c'est sa tête. C'est un enfant des favelas. D'accord. Il revient de très très loin. Il s'est fait, j'allais dire, il s'est fait tirer dessus. Il s'est pas fait tirer dessus. Si, quatre fois. Il s'est fait tirer dessus quatre fois. Regardez, il y a encore les marques sur son truc. Il a participé aux émeutes de 98, de 99. Il a fait les émeutes des Watts à Los Angeles. Et puis, il a fait les émeutes de. Comment ça s'appelle, Pavillon Sous-Bois? C'était en quelle année? C'est en 2005. En 2005, mais voilà. J'étais en Espagne. Tu étais en Espagne? Ouais. Mais tu les as fait à distance. À distance. Voilà, il faut le préciser. Il les a fait à distance. Ouais. Voilà. C'est pas toi qui l'as pris parce qu'il avait pas trop faim. Il a juste pris un tiramisu d'un caramel. Donc, monsieur a des goûts. Et monsieur préfère le sucré. Donc voilà, ils ont mis de la sauce barbecue pour les nuggets. On a pris une boîte de 20 nuggets. Qu'on a payé combien la famille? Je vais vous dire ça tout de suite. 8,60€. Parce que nous, on aime bien avoir un accompagnement avec les accompagnements. Et voilà, nos famosos nuggets. Il y en a 20. Ça va faire. Tu veux en goûter ou pas? Non, je connais déjà. Tu connais déjà? Voilà. Voilà, des nuggets. Elles sont très 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 bien dorées. Il y a de la sauce barbecue avec. Voilà. Donc on a nos petits menus. Ce qu'on va faire la famille, on va commencer les dégustations. Et ensuite, on vous fait un petit topo clair et net et précis. Non, faut dire frère. Frère. Voilà. Toi, tu regardes mes vidéos, c'est bien. Ouais, je sais pas. Frère. Donc la famille, voilà, j'ai dégommé toutes les frites, j'ai goûté les nuggets, elles étaient pas mal du tout, elles sont croustibates. Et je vais vous montrer. Ça veut dire croustillant. Et voilà, là je vais vous montrer le sandwich, j'ai tapé deux crocs dedans et la famille, j'ai dit, allez, faut que je prenne la caméra. Il est tellement doux, regardez. T'as vu ou pas? Oh, le tender, il est doux, il est à la fois doux. Sur 10. Sur 10? Faut que je le mange d'abord, après je parle. D'accord? Ah, ça. Donc, j'ai tapé un croc dedans, deux crocs dedans même. Je peux vous dire que le poulet, il est vraiment très doux. La sauce, elle coule. Le bacon, la famille, je suis en pleine ébullition interne. Là, franchement, je suis... Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, en trois mots. Pas mal. Hein. En trois mots. Pas mal, c'est deux mots. En trois mots. Pas mal. Ah. Il est excellent. Il est excellent. Ouais, c'est vrai. Et toi, ton tiramisu, il était comment? Moi, je connais. Moi, c'est la famille, sinon. C'est la famille, ça, le bâtard, c'est moi j'ai payé, tu dis c'est la famille. Je vais au troisième carré, t'inquiète. On va continuer la dégustation, la famille, on va terminer les nuggets et puis je refais une petite vidéo à l'extérieur. La famille, il faut que je vous montre un truc sur les nuggets. Je suis époustouflé. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, je crois. Je suis émoustillé, époustouflé. En fait, vous prenez un adjectif qui est incroyable et vous l'accordez avec ce que je ressens. Et franchement, je sais que j'exagère, mais les nuggets, elles sont croustibates, frère. Elles donnent envie déjà. Oh, c'est trop. Regardez, je vais faire un croc dedans et je vais vous montrer. Sauce barbecue. Vous avez entendu? Moi, j'ai pas entendu bismillah. J'ai dit dans ma tête. Ah. Elles sont croustibates, elles sont dorées. Vous voyez, on a mangé des frites, le sandwich, et là, elles sont toutes chaudes encore. Et franchement, je trouve que c'est excellent. Quel mec exagère là. Oh, les plateaux sont magnifiques, ils sont verts, ils sont beaux. Ils sont, ils sont pas sales. Des fois, tu vois des taches de graisse. Ça, c'est les snacks ghetto, ça, les fast-food ghetto. Le plus gros fast-food ghetto de France, de Paris, il est à Ménilmontant. Il s'appelle le Sirta Chicken.
Tu vois, et c'est l'escale de mille et longtemps pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai, franchement, j'ai laissé des plumes là-bas. J'y allais tous les jours à un moment donné. C'est très très bon. Mais là-bas, tout est dépareillé. Il n'y a pas une chaise qui ressemble à l'autre. Il y a un mur qui est blanc, l'autre il est rose, l'autre il est vert, tu comprends rien. Il y a un t'as vu les tableaux de paysage là que tu trouves dans les salles d'attente chez le dentiste. Il y en a un comme ça contre le mur, l'autre il y a des chevaux, tu comprends rien. Et les mecs, et puis tu regardes les chaînes, il y a la chaîne, il y a la parabole, il y a la chaîne du bled. Tu comprends rien du tout. Et le mec, il t'appelle au micro. Tu vas commander, tu vas t'asseoir, il t'appelle au micro. Toi là, de bêtises, croque l'assiette. Oh là là là, franchement, regardez, écoutez juste le bruit. Attention, silence dans la salle, s'il vous plaît. Écoutez juste les bruits de quand je vais croquer. Est-ce que vous avez entendu? Si vous avez entendu, lâchez un pouce bleu. Si vous n'avez pas entendu, lâchez un com et lâchez un pouce bleu derrière. Il y aura 5000 des pouces bleus normalement. Bon, si cette vidéo atteint 5000 pouces bleus, qu'est-ce que j'organise? Un concours? Déjà moi, je me rase la barbe. Ouais, bah c'est bon, on fera même pas 5 pouces bleus là. Non, franchement la famille, écoutez-moi bien. Si cette vidéo dépasse les 3000, on va dire gentil, 3000 pouces bleus, d'accord? Là, elle dépasse les 3000 pouces bleus, j'offre non pas un, non pas deux, mais 10 menus. 10 menus à une condition. Déjà que ça fasse minimum 3000 pouces bleus et surtout qu'il faut que ça soit en Ile-de-France parce que je vais vous inviter, ça va être dans un snack et il faut que vous soyez sur place. Donc les gens d'Ile-de-France qui me suivent, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, le critiqueur, sur Twitter, juste critiqueur parce que c'est un nouveau compte, sur Instagram, le critiqueur. Bon, vas-y, dis ton Instagram, vas-y, c'est bon. Voilà. Dis, allez. C'est Too Much Walid. Déjà, ça, c'est mon Twitter. Ça, c'est mon Twitter. Je fais des blagues. T'as un compte à blagues? Ouais. Voilà. Ça paye bien? Voilà, ça paye pas la vie de ma mère. Voilà. À ce qui paraît, les RT, tu peux les échanger contre des bitcoins. Non, c'est faux ça. D'accord, c'est faux. D'accord. Donc, la famille, 3000 pouces bleus, c'est 10 menus et sûrement ça va être au Harris Café. Ouais, Harris Café, il y a de la place, il y a du monde. Ouais. Et je serai là. Voilà, si vous êtes chaud, Harris Café, 10 menus si la vidéo fait minimum 3000 pouces bleus. Non, mais toi, t'es la famille, tu comptes pas. D'accord. Voilà. Donc, la famille. Cette vidéo touche malheureusement à sa fin. Je sais que vous aurez voulu nous voir faire beaucoup plus avec la Poucave, etc. Donc je te laisse faire. On va voir si t'es bon en impro, toi. Allez, fais l'outro de la vidéo. Tu fais la fin. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Zébody, zon. Non, tu dis frère, déjà. Frère. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, mais non, c'est pas ça. Là, c'est la fin de la vidéo. Tu dois dire, ouais, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, blablabla, blablabla. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Voilà. Et le pouce bleu 5000. On a dit 5000. Non, toi, t'as dit combien, non 3000. Moi, j'ai dit 5000. 5000 et je viens avoir des cafés tout nus. C'est bon? Je crois que là, on va même pas faire 3000 pouces bleus. Là. Rien que t'as dit ça, les gens, ils vont même pas vouloir te voir tout nu. La famille, merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et lâchez des coms. Ça ferait super plaisir. Chieux. Ce sont tous des Tommy, des Tombi, cheveux longs, Radma un demi. Le mental a commis le flow à Curie. Ahuri devant Elias de Marie Curie. Chier, Valérie nos pieds, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSU, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont toutes effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.